Salut à toi, entrepreneur curieux. Alors, ça fait longtemps que je t'ai pas fait une petite vidéo. Cette semaine, pas mal de nouveautés en fait. On a continué à bosser sur le site, hein, donc par ici la sortie, si jamais t'as pas suivi. Donc le site, c'était une grande semaine en fait cette semaine, puisque c'était la semaine où on avait prévu de commencer la bêta test. Le site, comme il est basé sur la création de sorties, la participation à des sorties, il faut qu'on commence à impulser une dynamique. Et donc Camille, notre stagiaire, est responsable de Spol, et donc de créer nos premières sorties. Et là, ce qui est génial en fait, enfin ce qui m'a fait vraiment très plaisir, c'est que donc elle a contacté des associations qu'on a rencontrées, et on a donc cette semaine notre première sortie qui a été créée par autrui en fait, quelqu'un qui n'est pas de l'équipe. Donc ils ont fait un peu ils ont participé un peu à la bêta test, essayé de comprendre un peu le site et créer une activité, donc une activité de leur propre association. Et donc aujourd'hui, on a eu la deuxième sortie créée par quelqu'un d'autre. Ça fait vraiment très plaisir. On a créé déjà les nôtres. On n'a pas encore mobilisé des gens, donc c'est vraiment le tout début. Mais ça y est. Donc là, je peux vous montrer rapidement. Là, j'ai le site. Donc là, il commence à avoir un petit peu une petite gueule, le site. Bon, il y a encore des choses qu'on pourrait faire pour le design. Hein. Et donc le menu, on est sur participer. Et donc là, c'est un événement qui est créé donc par Camille. On en a. Et ici, là, qui est créé par l'ARCEP. L'association, c'est l'ARCEP et l'ACEP, c'est la sclérose en plaques. Donc là, on a une première activité qui a été créée par quelqu'un d'autre que nous. Donc on a une image, on a un nombre de participants, un prix estimé, je sais pas, l'adresse, et automatiquement on a la map qui s'affiche, l'heure, et des informations d'accessibilité. Donc tout ça, là les informations d'accessibilité, par exemple, la personne n'a rien eu à rentrer. En fait, c'est directement depuis notre site, on récupère le lieu et on affiche les informations d'accessibilité. Donc voilà, bon, c'est le tout début, hein, pour l'instant il n'y a personne sur le site, c'est vraiment la bêta test. Mais on a eu un autre événement, par exemple aujourd'hui, spectacle Trace ta trace. Et hop, la même chose, super événement avec le descriptif qui se passe à Meudon, qui a été créé par Alice, qui fait partie de la possible échappée. Et donc voilà, premier événement avec l'endroit et pareil, l'accessibilité pour ceux qui en ont besoin. Voilà, donc c'était un petit récap, mais on est en plein lancement, on a vu vraiment une grosse semaine il y a environ 10 jours, et là on commence enfin à relâcher un peu la pression, parce que même si c'est lancement et bêta test et qu'il y a beaucoup d'enjeux, techniquement on commence enfin à avoir un peu de stabilité et ça fait plaisir. Donc tellement de rush qu'on calme un petit peu, et là on va vraiment pouvoir passer à la partie communication, solliciter des gens pour participer aux sorties, essayer de trouver des gens aussi qui ont un handicap pour voir si elles trouvent un intérêt à aller sur le site pour ce qui concerne l'accessibilité. Et donc pousser des associations ou des gens à créer des événements aussi. Donc ça va mettre beaucoup de temps. On est vraiment au début. Ça peut prendre des mois et des mois et on verra. Enfin en tout cas voilà. Là vous savez un petit peu l'avancée du projet. Et enfin, même si on est fatigué, on a toujours la niaque. Et on sent qu'on peut changer les choses et un peu changer un petit peu de la face du monde à notre manière. Quoi. Un petit grain de sable petit à petit. Voilà, allez. À bientôt, les entrepreneurs curieux. Ciao, ciao.